Vous écoutez TVA Nouvelles. Lorsqu'il n'y a pas de nouvelles, on en invente. Bonsoir. Alors, pour faire suite à cette controverse qu'on a vue la semaine dernière, on parle avec Yves Poirier. Yves, je pense que Samuel Racine, on pourrait le contrôler mieux ce qu'il est présentement. Il pourrait peut-être être dangereux. Ouais, ben tout le monde sait que passer à TVA, Denis Lévesque, c'est un privilège. Donc, pour pas que ça revienne de bousiller une entrevue comme ça, on voudrait y mettre une puce GPS pour le localiser, pour être sûr qu'il faut pas perdre le contrôle. Des gens comme ça, faut que ça soit localisé. Parce qu'à un moment donné, il y a 250 000 $ en jeu qui pourraient se perdre. Il faudrait vérifier avec les processus GPS pour être sûr de suivre les pistes. Alors là, je pense que ça va être un reportage. Toi, t'es rien qu'un gibier de potence. Tes gros mots, une scène disgracieuse, Samuel Racine est vraiment incontrôlable. Moi, je mettrais une petite puce GPS pour le suivre un peu partout. Bonne idée, on va aller voir quelqu'un à Butch. L'idée de Gaspard Simard, qui est une compagnie de GPS, de suivre Samuel Racine partout, est peut-être un petit peu bidonne. Mais quand on se fie à rien, on pense que ça pourrait être la solution avec son sat-track. Ben, c'est sûr que le sat-track n'a pas encore fait ses preuves. C'est un peu n'importe quoi, comme là, j'en ai mis un, mais il me dit que je suis dans quatre rues en même temps. À ce moment-là, si on le verrait sur l'écran qui se déplace, on le verrait là, c'est ça? Ouais, exactement. Si mon machine fonctionne, ben là, je pourrais le savoir, il est où. Comme là, ça marche pas parce que j'ai quatre points un petit peu partout à Montréal, puis on sait qu'il est à Saint-Rédempteur. Donc, tu sais, ça...